Salut tout le monde! Alors, on est en train de faire. On est en train de se prendre des fessées par la France. Mais fessées sur fessées, quoi. Je viens de perdre toute ma flotte. Contre la leur. J'ai tout perdu. Je me suis fait. Pulvériser, comme on dit. Donc, ça veut dire qu'il va falloir investir rapidement dans une nouvelle flotte. Un passage du coup. Est-ce que j'ai trop de chefs militaires ou pas? Si j'ai trop de chefs militaires, je vire tout de suite l'amiral qui ne sert à rien. Non, même pas. J'ai même pas trop de chefs militaires. Bon, eux, ils vont fuir très très loin. Quoique s'ils fuient seulement en Slavonie, non. Là, vous abusez un peu quand même. Non, là c'est juste une blague. Là, je vois pas comment vous voulez que je puisse gagner la partie. Sincèrement. Jamais. Qu'est-ce qu'ils voudraient? Ils veulent que je libère la Suisse et Ferrare. Que je libère Trèves. Que je libère la Bulgarie. L'Albanie. Attendez. Et la Bulgarie, ça coûte que 13? Tous ces pays, ça coûte que 13. Autriche, bourré, mais en même temps, j'ai aucune chance contre eux. Hop, c'est monté à 89. Ok, c'est cool. Voilà. Donc, je perds ces petits pays-là. Je perds la Suisse. Je perds Ferrare. L'Albanie, ça se retrouvera rapidement ça. Et j'ai certains qui vont se retrouver. On va dire c'est que des petits pays que je pourrais retrouver facilement. On va juste voir si on peut discrètement. Enlever un petit truc. Franchement, je suis déjà en guerre contre la France. Je peux pas enchaîner une autre guerre. Je suis obligé de leur accorder ça. Même la France. Franchement, ils vont être gentils, ils vont accepter une offre bientôt. Hein, parce que ça va 2 minutes là. Oh, c'est des relous les Français. Donc, il me faut que je fasse un casus belli contre la Serbie. Serbie, oui, je vais vous redéfoncer, vous inquiétez pas. Juste être légèrement long parce qu'il faut que je refasse une guerre contre eux. Bulgarie. Il n'y a personne de disponible pour le moment. Toi, tu viens en Dalmatie. Toi, tu vas avancer à Donkagi, t'attends que l'autre arrive. Viens dans la Bulgarie. Revendication, n'importe où, on s'en fout de toute façon. Et le pire, c'est que c'est moi qui paye en plus pour la paix. Ferrare.
Bien sûr qu'ils ont fait. Bien sûr qu'ils vont faire le siège de tout mon pays. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre eux? C'est la Bulgarie qui a fait un truc contre moi. Alors ça, c'est la meilleure. Ouh, bonne nouvelle quoi. J'ai l'efficacité commerciale. Si ça, c'est pas un truc de ouf quoi. Ça veut rien dire du tout. Le 17. Le 22. Allez en Slavonie. Le 24. Ok. Mais quoi que, y a plus beaucoup de soldats français là. Ils ont l'air d'avoir séparé les blocs. C'est peut-être bon signe. On peut peut-être en profiter un petit peu. Et on essaie d'aller remonter. Je vois pas de gros blocs. La Suisse, du coup, ils sont plus avec moi. S'ils sont toujours avec moi. Le Portugal qui s'est fait envahir par l'Espagne. Ah si, quand même, le Portugal il aide, il est en train d'envahir la Tunisie. Il a quand même détruit la flotte de la Tunisie. Oui, ça c'est l'armée polonaise, oui, je comprenais pas. Vous allez là, on avance doucement, oui. Allez, 38 000 soldats. J'ai un bloc de 21 000 qui est là-bas. Ça fait beaucoup de blocs. Mais on peut peut-être les tenter pour l'instant. Vous allez avancer là-haut. Vous avancez à Gordes. Frioul. Je pense que mon armée, je peux la fusionner. Voilà, la fusionner. Je sais plus, est-ce qu'il... Oui, si, bien, viens, viens, vas-y, viens. Le reste de tes troupes est très loin. Si tu commences la bataille maintenant, tu peux la gagner. Ils sont quand même environ 40 000 ici, plus ceux qui peuvent venir, ça fera beaucoup. Si je bouge maintenant, il n'y a pas l'air de... Enfin, Frioul, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un malus. Si j'attaque Frioul, il n'y a aucune raison qu'il y ait un malus. Il n'y a pas de malus, parfait. Voilà, donc j'ai chopé 5000 hommes. Choper 5000 pour Denis. Oh putain, 32 000 qui revient. Je tente de choper les 5000 du haut. Puis je me casse. Oui, je peux pouvoir les tenter. Voilà. Ensuite. Les 20 000 là. Peut-être ces 5000, peut-être tenter ces 5000 là, ça dépend de où vont bouger ces 12 000. De toute façon, je pense que d'ici 2 tours, pour l'instant, on laisse avancer les traits. Et je suis le 8 et 32 000, 11 octobre, ils sont que là-bas. Ok. Et maintenant, ben je me casse. J'ai fait ce que j'ai tué quelques soldats français. Maintenant, on se sauve. Parce que eux, ils vont pas nous rater son retour. Enfin, mais c'est pas. Pourquoi est-ce qu'il met ce leader-là?
C'est pas le bon leader qui met dans les combats. De lui-même, il met pas le bon leader. Oh, deux en tradition navale, c'est parfait. Ah, c'est vrai, j'ai pas de bateau. Voilà, on va rester par là. L'Hongrie s'en sort bien ou pas? Il y a une armée polonaise qui est là-haut. Je pourrais tenter encore une fois de faire le kamikaze dessus, mais je pense pas que ce serait intéressant. Je vais laisser mes copains s'amuser avec eux. Là, enfin ça, on va rester en attente. Comment ça, on est trop nombreux? Couper l'armée en deux, c'est pas un problème. Voilà. Un bloc de 50 000 qui avance vers moi. Allez sur Zagreb, tu dois attendre. Ils vont à Carniole. Il vous faut combien de temps, vous? Autant de temps. 10 jours, en fait. On va voir. 30, 31, premier. J'ai dit je vais en pause, mettez-moi le jeu en pause très vite. Ils y sont le 9. Je suis avant eux. On resserre. On resserre. Les 34 000 viennent, ils seront loin. Ah, j'ai pas eu le temps de gérer qui me met en général. Allez, allez, on commence. On a fait un bon lancer de dés. On a commencé sur un lancer de dés exceptionnel. Faut qu'on garde la même lancée. Putain, ouais. Comment ça se fait qu'on m'aura, je vais perdre 30 par 30. Ah, j'ai oublié de faire ça, c'est dommage. Le moral, j'ai perdu 30 par 30. Un trop gros écart. Je pense que cette fois-ci, ça va être la France qui a perdu le plus d'armées. Non, même pas en fait. La France a perdu en gros 13, 4, 17. Et nous, on a perdu beaucoup plus. Et sinon, peut-être qu'un jour, vous me direz ce que vous voulez comme paix, histoire qu'on puisse commencer à reconstruire le pays, vous savez, c'est pas grand chose quoi. Et qui dit c'est Byzance, la Croatie et la Poméranie. Alors la Poméranie c'était un délire. La Hongrie sont devenus mes super potes. Ils s'en sortent très très bien, continuez comme ça. Cela ne fait ni chaud ni froid. Puissance commerciale interne. C'est pourri, tu viens me manger. T'allais où, toi? Constantinople. Un conseiller. Il faut combien de gagne? 40. Impôts. Siège de Vérone, siège de tous. Oui, je sais que je perds beaucoup de choses. Et j'ai plus rien. Vous pouvez pas être gentil, quoi. C'est pas ce général-là, je t'ai dit que c'est... Et l'autre, il est mort, en fait. Bien, mais du coup, tu vas quand même prendre celui-là.
C'est celui-là qui est meilleur au combat. Allez, on y retourne. On va voir si on peut pas quand même choper quelques soldats. À la perte de ma flotte. Mon territoire qui se fait décimer à chaque guerre. Je vais bientôt redevenir le petit Venise qui était là. La Bohème me déteste. Bah, la France, c'est sûr qu'avec eux, je vais pas devenir très copain. L'Espagne, on se met toujours, j'en ai aucune idée de pourquoi est-ce qu'on se met comme ça, but. C'est la rivalité, Cadiz Belli, qui conquête du monde, tout ça. Et la Russie, on sait jamais. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec la Russie. Il y a quelqu'un qui a saboté ma réputation, en fait, c'est surtout ça. Ah, il faut que je surveille au niveau des cardinaux. Je sais que ça sert à rien du tout, surtout vu la situation. Mais j'ai quand même piqué un 45 ans. Je peux tout de suite vous le dire que la France, hors de question que vous ayez celui-là. Voilà, j'ai mis 100, il est à moi. Alors, on va se positionner en Bosnie. Une offre de paix de la Pologne. Pour l'instant, ils me proposent. Ils me paieront 160 ducats. Et juste ça, ça fait 4. C'est que les territoires russes, ça fait minimum du 10%. Bah franchement, on va accepter, hein. On peut pas espérer mieux. Parce qu'au final, ça fait du coup moins 32%. S'il vous plaît, est-ce que ça vous dirait qu'on arrête le carnage maintenant? Vous le voulez, ce goût, vous allez l'avoir sincèrement. On peut pas faire plus. Il est toujours en guerre contre le Portugal. Non, il est plus en guerre contre le Portugal. Ah, ça veut dire que le Portugal est maintenant totalement avec moi. Bon, je suis pas sûr que ça va changer beaucoup de choses. Nous avons perdu une revendication sur quelle province sera plus rapide? Daguestan. Je sais même pas si j'en avais déjà des revendications sur le Daguestan. Il y a un groupe de 35. Il y a deux groupes de 35 000 qui me font trop peur. Je peux peut-être tenter de rusher comme ça. Il rechoue. Je peux plus aller là, c'est vrai. Du coup, on recule sur Raguse. Ragusa. Si jamais leurs armées fusionnent, ça fera environ 40 000 contre 40 000, on est dans la merde. Allez, on va sur x3, bah merde,
Où est-ce que vous voulez que je bouge? J'attaque leur groupe là. Leur groupe là-bas et ils sont partout. Ouais, là c'est pas mal. S'ils dispersent comme ça fait un groupe. On va aller en Dalmatie. Il y a un petit groupe de 5000 qui est isolé. Et les 20 000 partent loin, ça peut être intéressant. Non, il y a 38 000 qui me foncent dessus, c'est pas intéressant du tout là. Y a personne qui va attaquer. Chicachas? Non, on a vu Chicachas. C'est pas sur eux que je vais compter. Ouais, on va fuir à Zeta. Pas Zeta, à Zeta. Ah, quoique. On feinte le départ. Les 38 000, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des allers-retours ou pas? Ah, ils reviennent. Par Aragus. 21 000. Mon moral, il commence à 1. Vous êtes sérieux là? Mon moral, il a commencé à 1. Pourquoi est-ce que mon moral, il commence à 1? Ok, mon armée s'est fait dépouiller, c'est bon. C'est sûr que si mon moral commence à 1. Okay. J'avais un de moral pour le combat. Youpi, quoi. Bon, bah oui, on va se casser très. On va se casser, de toute façon, c'est fini. Ok, la France qui me pique le contrôle. Ouais. Moi, je m'avouerais bien vaincu, mais ils veulent pas. Et voilà, bah c'est la débandade, hein. Le score de guerre, il va faire que de monter. La Suisse qui signe. Sais pas ce qu'ils veulent avec moi, mais en tout cas, ils vont aller loin. Hein. Parce que s'ils veulent faire monter le pourcentage, il y a toute l'Italie à prendre, la Grèce à prendre, et faut aller jusque chez le Mamelouk. Ça fait beaucoup. Allez, vitesse x5. C'est fini, j'ai lâché les matchs, j'ai plus rien. Me battre, ça sert à rien du tout. J'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, clairement, le destin, c'est eux qui décident ce qui va se passer. La France. J'aurais peut-être eu un espoir. Non, même pas. Je sais même pas comment vous voulez que je batte la France. Je fais des n'importe quel combat que je fais, mon moral il y a 1. Comment vous voulez-vous que je fasse une conquête si mon moral il commence à 1? Le combat en Europe, c'est un carnage. Il y a trop de grandes puissances et. Il y a trop de grandes puissances qui m'aiment pas. Pourtant, au début, j'étais pote avec toutes les grandes puissances en Europe. Mais une à une, elles m'ont toutes lâché. Et au bout d'un moment, bah, quand elles m'ont toutes lâché, ça devient compliqué de se battre.
Allez, là, regarde, dépêche-toi. La Pologne m'a lâché, l'Autriche m'a lâché, l'Espagne m'a lâché. J'aime la Hongrie, mais bon, la Hongrie, c'est pas une grande puissance. La Bohème qui est devenue surpuissante. La France qui est toujours, pardon, de base, elle est surpuissante. L'Autriche que j'avais enterrée, qui a participé à m'enterrer du coup parce qu'elle s'est bien refaite. Je suis loin d'être coulé encore, mais. Et rien que pour reprendre tout ce qui a été cassé, il m'en faudra pour 10 ans. Reprendre la Serbie, reprendre la Bulgarie, reprendre l'Albanie. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais tout proche de réussir à faire, à former l'Italie. Pas gagné, ça non plus. En fonction du résultat de la guerre, on verra si le let's play ira plus loin, hors note plus loin. Putain, la Serbie et la Bulgarie, ils se font de la guerre, quoi. Les mecs, les ai libérés il y a maximum un an, ils se font déjà la guerre. Bon, enfin que vous voulez aller jusqu'où, sincèrement? Est-ce que vous voulez vraiment aller au bout de la guerre? Bon, ben on va aller se cacher à Sidon. Ok. Je devrais pas tarder à récupérer le contrôle du pape, je crois. Ah non, pas du tout en fait. Carrément loin. Il y a Byzance qui se barre. Ah, c'est des tarés, Byzance. Ne vous inquiétez pas, Byzance, on s'est bien battu. On a fait ce qu'on a pu. On sera tombé en héros. Le drapeau vénitien volé très haut. Ça, c'est du Cardil. Il me semble, le truc là. Ouais. L'armée portugaise qui attaque le sud de l'Espagne. La Tunisie qui a repoussé l'armée portugaise. Je sais pas dans quel pays ils ont vu ça. Hein. Ah, pas sûr. Vas-y, je perds de la thune, c'est mauvais signe. Maintenant que mon crédit est en rouge, la fin des haricots. Alors, si on va au bout de la guerre, hein, je récupérerai Byzance dans mon empire. Hein. Je sais pas si on peut appeler ça un empire. La Bohème qui m'en veut, le siège de Rome. Sincèrement, ils veulent vraiment aller à 100% quoi. Attends, mais c'est quoi? Est-ce qu'ils veulent rien?
Pourquoi est-ce qu'ils font la guerre, ils veulent rien? Ils vont aller jusqu'où là, ils veulent rien? Ça ferait longtemps que j'aurais signé la pub, elle a tout perdu. Ah. Non, c'était autre. Pas de soucis de l'Hongrie, on vous refait un mariage royal. Mais bon. Je suis pas sûr que ce soit très utile. J'ai des risques de révolte à 0,1%. Moi les Français ça commence à être long là, je vous ai dit si vous voulez le 100% là, on en est là pour encore beaucoup de temps. Hein. Toscane a déclaré la guerre à Ferrare, le siège de la Bosnie. C'est beau n'empêche, on dirait du coloriage. L'État a besoin de son argent. Tarvunia, la Croatie est occupée. C'est qu'ils vont bientôt commencer à prendre Byzance. Des effectifs, et ben oui, on va récupérer un peu d'effectifs. Tiens, une doctrine, non, c'est pas une doctrine que je veux, c'est faire ma recherche. Vous avez tout ce que je suis obligé de dépenser de toute façon. C'est d'une importance cruciale, c'est trop cher. Alors les fortifications, elles vont aller se faire foutre. Et je vais perdre un de prestige. La Tunisie qui est alliée à la Russie. Ça y est, il commence à taguer Byzance. Bon, quand est-ce qu'elles vont finir, elles? Ah, les processus de fin, jamais. Ah, en fait, il s'est arrêté à cause de ça. Les États. En Californie, l'Espagne a des problèmes. Le Geldre qui quitte la coalition militaire contre moi. Monastir qui vient de tomber. Mais allez-y les Français, on y est presque. Vous approchez bientôt la partie orientale. Est-ce que vous avez fait venir des bateaux? Franchement, je sais pas ce qu'il veut alors. C'est beau, mais je vais recliquer là. Il y a plus de... Au début de la partie, cet écran il est plein. Maintenant il n'y a plus que 18 personnes qui votent. Il n'y a plus que 18 princes. Dont certains que j'aurais dû raser de la carte et que j'ai raté. La masse de vol est tombée. Ce qu'ils veulent, mais ils ont tout. Je vais tout leur donner, hein, c'est simple. On va regarder. Je vous donne ceci. Je vous donne ça aussi. Ça fait quoi? Plus 1000 parce qu'ils en veulent pas. Ils veulent rien. La recherche, c'est laquelle qui est passée? Administratif. Laquelle je vais prendre?
Pardon. Je sais même pas laquelle prendre, l'administrative. Je me lance dans une horde de mercenaires. Je vais regarder si c'est comme ma technologie qui est le moins en enfin, qui est le plus en avance. Ce sera ça. 22-22, ce sera administratif, c'est décidé. Et en administratif. Dépêchez-vous quoi. Innovation. Peut-être c'est entre innovation et administratif. Allez, on va prendre la administrative. On va bientôt prendre un niveau technologique. C'est quoi leur but, sincèrement? Ils veulent vraiment faire, mais ils veulent vraiment tout reconquérir. Ils déconnent pas. Ah, peut-être avoir des nouveaux canons. Ils vont peut-être s'arrêter un jour, on sait jamais. Ils vont... Oh punaise, qu'est-ce qui s'est passé? Une offre de paix de la France. Voyons voir ça. Alors. Quoi? Ils ont conquéri tout mon territoire pour que seulement je leur cède Sungo. Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? Les mecs, ils ont retourné mon pays, ont piqué une région qu'ils ont conquérie le premier mois, quoi. Attendez, on va quand même rabaisser le truc. Ah non, normalement, là, mes dépenses, elles vont, enfin, mes recettes vont réaugmenter. Voyage royal avec Byzance, n'inquiétez pas, je vais même vous intégrer bientôt. La Bulgarie qui a piqué la Serbie. Les traites contre vous, elles sont jusqu'en 94. Bon bah, allez, revenez. À votre tour de maintenant d'intervenir. Ok, on va rater ici l'épisode, car donc c'était un épisode de carnage contre moi encore. Et on va reprendre peut-être un peu de conquête. Et ciao tout le monde.